Moi, ça, les amis, et c'est pour moi un plaisir pour nous capables ensemble. Je dis à qui c'est mardi 13 juin pour nous étudier dans la portion d'un cadre d'études semaine. Pas oublier semaine ça, étude lancée numéro 12, le sceau de Dieu et la marque de la bête, deuxième partie. Bien avant même que nous entrions dans le développement étude nous pour aujourd'hui, à nous prier bon Dieu. Papa, nous qui sommes dans le ciel là, qu'on nous parle, remercie pour tant de bienfaits que manifestés dans la vie. Nous. Merci au Dieu pour tout ce qu'on fait pour nous, qui nous participer et pour ça encore ou compter réaliser dans la vie. Nous. Tandis que au Père, nous allons étudier une portion de la parole. Nous demandons que vous capable d'aider nous à comprendre la parole de mieux en mieux et pratiquer dans la vie. Nous. Fait pour nous, au Père, au-delà de ça, qui nous a espéré, non pas bon et juste, non pas de mérite, mais dans nos Jésus, nous prions. Amen. Je vous remercie aux amis pour la qualité et l'effort que vous-même vous consentiez jour après jour pour capable. Continuez à approfondir connaissance de la parole, bon Dieu, à travers l'étude de l'école du sabbat. Mais songez, chaque fois que vous étudiez plaisir, c'est toujours encourager ou partager l'étude avec entourage pour faciliter plus de monde capable d'arriver à étudier les leçons de l'école du sabbat. Si vous n'êtes pas abonné, je vous profite de faire ça. Et puis, à encourager l'autre monde à faire même bien avec vous. Ce maintenant, nous avons développé ensemble l'étude numéro 12 qui se suit avec l'étude numéro 11 là. Thème, c'est le sceau de Dieu et la marque de la bête, deuxième partie. Verset à mémoriser. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Apocalypse, chapitre 7, verset 2. Et toi, texte pour nous mémoriser dans l'étude semaine. Jeudi à ce mardi 13 juin, nous allons ensemble la stratégie finale de Satan. La stratégie finale de Satan. Il y a un petit sondage qui révélait un profond manque de confiance dans l'institution avec gouvernement qui existait jeudi. Et il y a des millions de personnes qui ont posé cette question. Cap dit comme ça, qui côté nous capable de joindre un monde qui est capable moralement apte à diriger le monde? Qui côté nous capable de joindre un monde vraiment qui est capable de diriger le monde là? Il y a des millions de monde, c'est question ça, qui ont même posé. Mais prophétie biblique, yo identifier puissance bête là comme et puissance qui peut-être sous fausse union qui gagne entre l'église et politique, et ben yo prétend qu'il est capable et ben diriger le monde. Et c'est pour la puissance ça en réalité qui pourra le positionner pour capable remplir rôle ça, c'est-à-dire et qui pourra le mettre dans position pour le dire bon li capable diriger le monde. En parlant de système ça, et bien système ça et qui c'est un système qui établi par bête là, c'est-à-dire un système qui établi par l'ennemi, ben côté les politiciens de la terre avec et bien en pile et bien monde qui très religieux, yo pral mettre tête ensemble, yo pral faire une union, yo pral dire même yo capable diriger le monde. Maintenant, nous allons lire ensemble de l'Apocalypse, chapitre 17, versets 12 à 14. Nous allons regarder comment Jean lui-même nous décrit scène et qui concernait l'histoire finale de la terre. Et nous allons regarder tout, qui opposition que nous avons en dedans, et bien, texte ça. En lien ensemble. Les icônes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme moi pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. En détail ça, Jean soulevait trois points importants. Premièrement, les montrer nous puissance politique yo gagné même plan, yo gagné même projet et c'est eux même qui ba puissance avec autorité
avec bête là. Donc on est bête là, c'est un système eh bien, qui est Satan établi. Mais ou pas Satan qui a dirigé, mais qui serait ouais, il y a un ensemble de monde qui mettait ensemble, eh bien, qui a dirigé, mais il a dirigé sous l'influence de l'ennemi. Deuxièmement, nous avons fusion ça, qui c'est une fusion d'erreurs, il a fait la guerre avec Jésus-Christ, qui c'est agneau. Et troisième point qui soulevait en tant que ça, c'est que pendant qu'il a fait la guerre, eh bien, contre Christ avec disciples, mais nous, c'est Jésus avec disciples qui triomphe. C'est-à-dire, ce n'est pas bête là qui gagne bataille là, mais c'est Jésus qui gagne bataille là. Et en plus là, nous, déjà posé question ça, nous avons demandé quelle stratégie que diable a lui-même capable d'utiliser pour capable unir toute nation. Eh bien, l'histoire, il répétait souvent, nous tirer en pile belle leçon et de l'effondrement de l'Empire romain. Lorsque les invasions germaniques venues du nord ont ravagé l'Europe occidentale, eh bien, nous, empereur Constantin l'était tourné vers la religion. Mais l'autorité de l'Église, qui combinait, qui fait un seul, eh bien, avec l'État, devenu instrument que Constantin lui-même était besoin. Parce que l'objectif, lui, c'était diriger le monde, tant sur le plan politique et religieux. Eh bien, le renforcement continu de la sainteté du dimanche au 4e siècle, c'était une manœuvre politique et religieuse qui était bien calculée pour capable unir l'Empire qui était trouvé dans une période de crise. Eh bien, Constantin, t'es voulu que l'Empire l'ait uni et que l'Église romaine t'ait voulu, eh bien, Constantin lui-même lui convertit. Eh bien, il y a un célèbre historien qui est Arthur, il dit clairement que l'Église t'est fait jeudi dimanche venir un jour sacré. L'on dit venir un jour sacré, c'est que nous connaissons jeudi dimanche, c'est pas un jour qui sacré, mais les hommes font venir un jour sacré pour être capables d'atteindre l'objectif. En grande partie, parce que jeudi dimanche là, et chaque dimanche, et dans l'époque ça, il était qu'on fait une fête à l'honneur du soleil là. C'est-à-dire même genre, chaque semaine, ça va lui-même les retourner, les rappeler nous que bon Dieu t'a créé toute bagaille, c'est bon Dieu qui créateur là. Et bien c'est de même jeudi dimanche là, c'était un jour et bien des fêtes côté monde te qu'on adorait et bien soleil là. En effet, la politique chrétienne bien, consistait à reprendre fêtes païennes côté que peuple allait même était attaché par tradition et nous y avait une signification avec dimanche là comme étant quelque chose qui est chrétienne. Je dis à nous, il y a un peu de monde qui dit, bon, il y a l'église du dimanche, c'est parce que Jésus est ressuscité. Eh bien, et jeudi dimanche, eh bien, il y aura une joie célèbre, il y aura une joie sacrée. Mais pour autant, la Bible pas demandé pour nous capables de faire ça. Eh bien, nous, et l'adoration du dimanche, l'intention monde qui était instituée là, c'est pas pour adorer bon Dieu, mais c'était pour adorer soleil. Eh bien, non, en période de grande crise, lorsque le monde entier lui-même a peur, il a souffert, il a eu crainte, eh bien, il y a toujours cherché, eh bien, il y a un monde qui peut apporter un peu de stabilité et de protection pour eux. Eh bien, c'est comme ça que la tyrannie est apparue dans le passé. Et pas y a aucune raison et pour nous penser que ça n'est pas capable de reproduire encore. C'est-à-dire, nous, je dis, et le monde qui a dirigé le monde, il y a toujours. Et il y a toujours, eh bien, attendre quand il y a des événements qui arrivent, eh bien, il y a un moment difficile, un moment de crise, pour qu'ils soient capables d'adopter de nouvelles lois. Eh bien, selon la prophétie, quelque chose provoquera ces événements, eh bien, finaux. Bien qu'il soit difficile pour nous comprendre comment ça lui-même est capable de dérouler, mais le monde est déjà, et ouais, comment il y a un peu changement qui est capable de produire de façon très rapide. Bien que nous ne connaissons pas tout détail de ça qui est capable d'arriver, de ça qui pourrait arriver, mais nous de près, pour que nous soyons capables de faire face avec toute situation difficile qui est capable de présenter devant nous. Et bien, nous, stratégie finale, et bien, Satan, c'est unir l'Église avec les gouvernements, ou bien les politiciens de la terre,
d'une façon pour atteindre l'objectif, pour forcer l'homme à obéir ensemble avec volonté. Mais moi, ensemble avec vous, il y a un avantage que nous gagnons, nous-mêmes qui sommes chrétiens, qui avons servi Christ, nous devons rester attachés fermement avec Jésus, parce que nous mettons quelque chose à ça, et nous sommes capables de faire pour qu'il soit capable eh bien, nous, Jésus remporte la victoire déjà. Si nous-mêmes, nous devons remporter la victoire, nous seulement besoin attachés ensemble avec Jésus et victoire nous. Déjà assuré. Nous apprenons ensemble aujourd'hui la stratégie finale de Satan. Papa, nous qui sommes dans le ciel là, merci pour la parole que vous avez pour nous. Aidez-nous pour que nous soyons capables de bons serviteurs, de bonnes servantes, afin que nous soyons capables de pratiquer la parole dans la vie nous et continuer à être dans la volonté. Merci parce que vous attendez nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Déjà, mes amis, je vous souhaite bonne étude, bonne journée et à la prochaine.